Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire au début? Donc, je vais prendre Neji pour bloquer l'attaque spéciale de Haku. Mais voilà. Attention. Miss. Donc, ça a foiré. Donc, je me prends une attaque spéciale sur deux personnages. Quelque chose qui fait très mal. Hein. Vous regardez ma barre d'énergie. Je m'en suis pris plein la gueule. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que celui d'en bas n'a qu'un tour. Donc je vais plutôt utiliser le spécial de Sasuke tout en conservant la potion de vie pour un peu plus tard. Et j'en profite aussi, comme il fait une attaque de zone, de choper Haku par la même occasion et de baisser un peu ses HP. Malheureusement, Haku est de type feu et Sasuke de type terre, donc il s'en prend encore plein la gueule et ses dégâts qu'il a infligés, ben, il n'en a pas fait beaucoup. Alors Kizame, lui, réduit l'attaque ennemie, donc c'est pour ça que j'essaye de le faire sur Haku, hein, tout en prenant la potion de vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça refait un miss, donc j'ai double missé, j'ai pas pu lui bloquer l'attaque spéciale, ni lui baisser son attaque, donc c'est vraiment chiant. Et là, il y a du danger. Donc là, je reprends Sakura pour faire un peu de ménage, enfin, que je pensais au niveau des alliés d'Haku, seulement, ben... Je le tue pas, mais j'ai placé donc Sakura au milieu de mes personnages pour que grâce à son field skill, elle puisse healer au passage. Donc là, Gaara, c'est un des personnages qui fait les plus mal avec son attaque spéciale numéro 2. Hein. C'est une 6 étoiles, c'est la 6 étoiles de Gaara. Donc vous voyez, 7350, ça c'est du dégât, c'est pour ça que j'adore ce personnage. Et on finit avec un petit Naruto. Qui fait pas mal, qui fait pas mal mal, on va dire. Et voilà, j'achève Haku. Et quand on tue un boss, ben les minions s'effacent complètement. Donc vous voyez, j'ai terminé Shobudin ce level, mais j'ai pu capturer donc Haku. Et j'ai débloqué en moins de 20 tours, donc le petit succès. Hein. Si vous arrivez à faire ça sur le niveau B, congratulations. Alors sinon, Haku est un personnage très sympathique avec ses... ses aptitudes liées et sur le terrain, il permet d'augmenter les critiques et a une attaque en zone évoluant en 5 étoiles. Donc bon perso. Salut tout le monde et à la prochaine.